Fihi, dans l'entité de Houphalize, est un charmant petit hameau installé en fer à cheval à la naissance d'un ruisselet. Il compte une douzaine de maisons au grand volume compact fort écrasé. Les toits à deux versants, de faible pente, sont généralement dépourvus d'ouverture, à l'exception de la souche de cheminée du logis, située à l'avant et proche du faîte. Pour les dépendances moins profondes, comme les fournis et charties, les toits sont plus pentus. Toutes ces toitures étaient autrefois couvertes de chairbins. Le cherbin, prononcé herbin en Ardenne liégeoise et dont le nom signifie éclat, en allemand scherben, est une pièce d'ardoise en forme d'écaille asymétrique dont la découpe implique une pose particulière. Toujours entamée en bas de versant sur la droite, elle gravit la toiture en diagonale parallèle jusqu'au faîte sur la gauche en recouvrement progressif, tout en diminuant la taille des cherbins et du pureau, partie non recouverte de l'ardoise. Le cherbin présente une courbure à son point inférieur, de manière à conduire l'eau du haut vers le bas. Le cherbin provenait pour la Haute-Ardenne des ardoisières de Vielsalm, qui ont été fermées dans l'après-guerre. La restauration d'une toiture en cherbin implique donc la récupération de pièces anciennes, à retailler ou non. Selon la qualité du matériau mis en œuvre à l'époque et l'état de conservation de la toiture à refaire, on estime d'un tiers à deux tiers de la surface initiale la proportion de cherbin récupérable, les plus gros dommages ayant été causés par les bombardements lors de l'offensive von Rundstedt. Sur son versant oriental, le moins exposé au vent dominant, la toiture de Fihi était encore témoin d'un système ancien de couverture. Des dalles de forte épaisseur et de grande dimension dans le bas, près d'un mètre carré et pesant jusqu'à 40 kg, étaient posées comme l'ensemble de la toiture, sans clous et par application dans un lit de terre argileuse mêlé de foin ou de paille. Seules étaient clouées les ardoises de bordure, devant présenter une meilleure résistance au vent. Il en allait de même pour la rangée d'ardoises faîtières, taillées en pointe de lance et se retenant l'une à l'autre par la gorge, croisées d'un versant à l'autre. Les ardoises faîtières sont appelées en wallon des cuerbas, c'est-à-dire des corbeaux, en raison de leur profil sur fond de ciel. L'ensemble des corbeaux forme un lignolet en crête appelé cresté. Les cherbins ont d'abord été démontés avec nous de précaution, chaque diagonale étant posée en ligne, avec vide pour les pièces manquantes. Le lit d'argile a finalement été retiré à la pelle et à la brosse, parce qu'il occasionnait de graves inconvénients, comme le glissement des ardoises, le poids excessif sur la charpente et la poussière terreuse dans les combles. Les éléments dégradés du voligeage ont été également démontés. La charpente a été soigneusement restaurée. Un poteau défectueux et d'autres pièces affaiblies ou vermoulues ont été remplacées par des pièces de récupération toutes chevillées. Un lattage a été posé, puis une sous-toiture micro-perforée. Et enfin, un nouveau voligeage en surépaisseur pour supprimer les inégalités et poches. Conséquence d'un chargement excessif dû aux réparations successives. Le tri des cherbins a permis d'évacuer les pièces affaiblies et de sélectionner celles restées valables par dimension et épaisseur, le lot étant complété par récupération.
Les rives de toiture ont été réparées sans débordement sur le pignon, suivant la technique traditionnelle, c'est-à-dire au moyen d'un chevron, aux arêtes arrondies pour éviter toute prise au vent. L'ardoisier a ensuite déterminé les lignes de pose à la corde à tracer. Il a reposé les cherbins avec des clous, généralement de cuivre, ou galvanisés, pour les pièces les plus massives, après avoir perforé l'ardoise en plusieurs points, suivant son état. Les noues à l'entrée de la grange tardive ont été réalisées à vif, sans protection métallique visible. Le versant occidental a été couvert de scupens, c'est-à-dire d'ardoises de même type, mais de fourniture actuelle, découpées à dimensions régulières et posées à pureau constant. La souche de cheminée a été protégée par un essentage, quoique les plus anciennes souches en moellon n'en étaient pas pourvues. L'ardoisier a finalement posé des chéneaux en zinc, bien que la toiture n'en ait pas comporté initialement. Le prix complet du travail au mètre carré est supérieur à celui d'un revêtement conventionnel en ardoise artificielle. Le subside régional affecté à ce monument classé ramène le coût à un niveau inférieur. De plus, la tenue dans le temps est tout autre. Le toit, plus que centenaire pour son versant oriental, est prêt à revivre un nouveau siècle sans problème majeur. La toiture ardennaise en cherbin est un document pour l'histoire, intégrant qualité paysagère, qualité de travail et qualité de vie.